Peggy 32. Bon, salut mes petits amis, c'est Romul et bon tuyau. Alors aujourd'hui, on va parler d'une goodies que je me suis achetée. Mais avant de vous dire qu'est-ce que c'est, n'oublie pas que si la vidéo elle te plaît, tu peux la liker, la commenter, t'abonner, activer la petite cloche si t'es pas encore abonné à la chaîne. Bon, alors aujourd'hui, j'ai reçu une goodies que je me suis commandée. Enfin, c'est un bouquin, hein, c'est un bouquin que j'ai acheté, on va dire, sincèrement, c'est plus pour soutenir la personne que pour le bouquin en lui-même. Mais il y a quelques petits trucs, moi, qui me dérangent. Alors, comme vous connaissez Romu, quand il a quelque chose à dire, eh ben, il le dit. Alors, déjà, je me pose une question toute bête. Alors, c'est un bouquin qui a été publié par la société Omake Mag. Voilà. Et ils vous mettent de la publicité à l'intérieur. Alors la première question que je me pose, j'espère que je ne suis pas rentré dans leur bande de données clients et qu'ils ne vont pas me casser les pieds à m'envoyer tous les 15 jours, tous les 3 semaines ou tous les mois de la pub. Parce que si c'est le cas, je leur enverrai un petit email en leur demandant de me supprimer dans leur bande de données. Hein, parce que moi, j'ai commandé un truc et je ne recommanderai plus chez eux. Donc voilà. Alors déjà, de la pub, c'est gentil. Mais messieurs, quand vous envoyez de la pub, essayez que ce soit lisible et qu'on voie à peu près ce qu'on va acheter. Voilà, parce que moi, je suis Miro, donc voilà. Alors, on va vous montrer la chose que je me suis acheté pour soutenir la personne. Voilà. Alors, c'est tout simplement le livre de Conquer, hein. C'est le 100 trucs de dingue à savoir sur le jeu vidéo. En plus, vous recevez avec une petite dédicace sur un flyer cartonné de Conquer. Voilà. En réalité, c'est ça qui m'intéresse le plus. Hein. Et le bouquin. Hein. Ça, la pub, je m'en serais bien passé. Hein. Perso, la pub, je reçois déjà assez dans ma boîte mail. Alors, le flyer, il n'y a rien à dire. Hein. Le flyer, il est de qualité. Voilà. Le bouquin aussi, l'imprimerie, elle est bonne. Hein. Vous voyez, c'est du bon papier. À l'intérieur, vous avez, je vais vous montrer la première page, parce qu'il l'a montré, enfin, non, c'est même pas la première page, excuse-moi, la première page, elle est là, voilà. Tu as une page, voilà, où tu as des dessins, là, que tu peux décoller, que tu peux coller sur ton, que t'as envie, ton buffet, ton PC, ton armoire, donc voilà. Mais moi, j'aimerais, si Conquer voit cette vidéo, qu'il réponde à une question. Moi, je suis désolé, hein, j'ai pris un livre qui a à peu près le même format. Vous voyez, regardez, ça c'est... Ils ont à peu près le même format. Hein. Il est même plus petit, c'est un livre de poche. C'est un livre de lecture, vous voyez. Alors on va vous poser la question, pourquoi j'ai pris un livre de lecture? Eh bien, c'est tout simplement pour vous montrer une chose assez humoristique. Vous voyez ça, c'est lisible, vous voyez. La caméra arrive à faire le focus. Vous arrivez même peut-être à le lire, vous voyez. Donc, ça, c'est un bouquin qu'on peut lire. Moi, j'arrive à le lire. Hein. La police, la taille et tout, pas de problème. J'arrive à le lire. Alors, est-ce que c'était un livre pour le lire ou pour le mettre sur une étagère et pas le lire? Moi, je l'avais acheté dans le but de le lire. Mais je vais vous montrer à l'intérieur, vous allez voir. La police, elle est illisible pour les gens comme moi qui ont des problèmes de vue. Voilà. Là, vous voyez, la caméra, elle arrive à peu près à lire. Hein. Elle a même du mal à faire le focus. Donc, pour lire ce truc, il faut sortir la loupe, quand t'es Miro comme Romu. Donc, moi, j'aurais préféré un livre avec une police plus grosse, hein, un peu plus grosse. La prochaine fois, Conquer, si tu y penses, hein, pense aux gens qui sont comme moi, hein, qui ont des problèmes de vue. Hein, et tu aurais même plus, tu vois, hein, un truc tout bête. Hein. Excuse-moi, parce que moi, tu sais, je milite un peu pour les handicapés. Parce que je suis handicapé, j'ai un handicap. Hein, t'aurais même pu sortir une version, hein, comme ça, un peu plus grande, ou même sans les illustrations, en braille, tu vois, pour les personnes malvoyantes. Voilà, tu vois. T'en faisais une trentaine, peanuts. Voilà. Ou la prochaine fois, fais un bouquin comme ça, mais avec une police un peu plus grande, s'il te plaît. Parce que franchement, moi, j'ai du mal à le lire. Et puis, un dernier truc, moi, j'aurais bien aimé voir dedans, bon, de la pub pour un jeu de merde, ça m'intéresse pas trop, hein. Fortnite, je m'en bats un peu les Pokéstecs, mais faire de la pub, t'aurais pu mettre, comme c'est un truc sur le jeu vidéo,
Bah, des publicités des anciens magazines, tu vois. Hein? Tu vois, tu aurais pu, comme dans les magazines de l'époque, tu vois. Ça aurait fait un clin d'œil rétro, ça aurait été sympa. Voilà. Donc, moi... Et puis, il y a une chose aussi... Ah ouais, ça, j'ai oublié de le dire. Il n'y a pas de marque-page dans le bouquin. Il n'y a pas de marque-page. Non, il n'y a pas. Il n'y a pas de marque-page. Hein. Le marque-page, tu peux te zapper. Voilà. Donc, quand tu lis ton bouquin, tu es obligé de prendre la dédicace de Conquer pour te faire un marque-page. Voilà. J'aurais payé, moi, le marque-page. Hein. Même 30 centimes, 60 centimes de plus, je le payais. Bon, je veux bien, c'est un bouquin à 9 balles. Je veux bien. Je veux bien, d'accord. Hein. Je veux bien, d'accord. Mais la police... Non, je suis désolé, la police, pour moi, ça passe pas. J'aurais préféré un truc un peu plus gros. Voilà. Et puis, la pub de votre magazine... Bah non, merci, ça m'intéresse pas. Voilà. Donc, c'était Romu au rapport... Je vous ai fait un petit retour sur le bouquin de Conquer. J'espère, Conquer, que tu verras cette vidéo. Si tu passes par là, tu peux me laisser un commentaire. Pensez aussi aux gens qui sont pas comme tout le monde, qui voient pas clair ou quoi que ce soit. Si un jour tu refais une autre édition, bah, demande que la police soit beaucoup plus grosse et beaucoup plus visible pour les personnes qui portent des lunettes. Hein. Et moi, j'ai des verres progressifs et j'ai du mal à lire ton bouquin. Que tu vois, ça, c'est un bouquin de poche hein, qui coûte. Je crois que ça, c'est des bouquins comme ça, ça vaut 8-9 balles. Bah, on peut le lire, hein, tu vois. La police, c'est lisible. Voilà. Allez, moi, je vous laisse là. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous dis à plus tard dans le bus.